En tout état de cause, le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger suite à ses échanges avec les nationaux, les chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. Les autorités nigériennes de transition regrettent cette attitude d'une certaine communauté internationale qui consiste à manifester sa solidarité vis-à-vis de quelques politiciens du régime déchu et en même temps manquer d'empathie envers les populations nigériennes durement éprouvées par les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes de la CEDEAO, qui vont jusqu'à priver le pays des produits pharmaceutiques, des denrées alimentaires de première nécessité et de fournitures en courant électrique.